Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications Android. Et aujourd'hui, on va découvrir, attention, la meilleure application pour regarder quelques chaînes télé sans TNT, sur son téléphone et aussi sur la télé via un Chromecast. Du coup, on va découvrir cette application-là ensemble. Donc, ça va concerner à peu près toutes les chaînes de France TV. Donc là, on peut découvrir des films et séries qu'on peut regarder directement sur l'application. Et sur la télé, donc là on peut découvrir les épisodes qui sont disponibles, les bonus, etc. Donc on peut trouver les séries, les collections, Plus belle la vie, etc. Donc on a plein de contenu à regarder. Donc on va prendre un exemple, on va cliquer sur Actu Société, on va cliquer sur le premier. Donc voilà comment l'application se présente. Donc bien sûr, on a les pubs interminables. Et là on va voir que on va attendre que la vidéo se lance. Donc là on voit qu'on peut regarder un épisode, je sais pas, a été diffusé sur quelle chaîne, mais on peut la regarder française, enfin a été diffusé sur quelle chaîne française, on voit qu'on peut regarder ça. Comment on appelle le son. Et l'avantage, c'est que si vous avez un Chromecast, le 22 janvier au matin. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc si vous avez un Chromecast comme moi, tout simplement. Avec cette application là, cliquez juste ici, nous partons, cliquez sur fond et on va sur la caméra et on voit que le contenu va être diffusé directement sur la télé. Donc on va attendre un petit peu. Donc ça peut être bien pour ceux qui n'ont pas télé par exemple. Donc par contre, on va baisser un peu le son. Voilà. Donc bien sûr, pour faire ça, vous devez avoir un Chromecast. Donc je vous invite à aller sur internet pour voir ce que c'est. Donc maintenant, on va revenir sur l'application. Donc voilà comment l'application se présente lorsqu'on castre l'application sur la télé. Donc là, je vais annuler. Et on va voir les autres aspects intéressants de l'application. Du coup, on avait un coin où on peut découvrir tous les trucs intéressants. On a un coin direct, et c'est ça aussi l'avantage de l'application. C'est que là, on peut directement regarder ce qui se passe en direct sur ces chaînes-là. Donc sur France 2, France 3, France 4, France 5, France O. Donc on va cliquer par exemple aller sur France 2. Le Grand Prix d'Andalousie de moto. Là, l'avantage c'est que je peux regarder Fabio Quartararo, c'est la deuxième victoire consécutive. De ce pilote français. L'avantage c'est que je peux regarder France 2 directement sans TNT et aussi sur la télé, juste en castrant comme ceci. Et là je peux regarder en direct ce qui se passe sur France 2 sur ma télé sans TNT, sans rien, juste avec une connexion internet. Et voilà, donc là on voit que je suis en direct. Donc voilà mes avantages de l'application, que ce soit sur mobile et sur la télé. Donc là maintenant on va regarder sur France O. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Et je vais remettre ça. Et là on va voir que on va regarder France O en direct, ce qui se passe actuellement vers les 6h. Donc on est en direct sur France O. Du coup, là, on voit comment ça se passe. Après, on voit qu'on peut aussi activer les sous-titres, donc ou des fichiers audio. Donc, je vais mettre sous-titres français, je vais faire correct. Mais là, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, après, on peut regarder les directs sur une autre chaîne. Normalement, ça va passer directement à la chaîne. Donc, je vais faire play. Et là, on passe directement à la chaîne 35 sans enlever les Chromecast et le remettre. Du coup voilà, donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont juste une connexion internet et qui veulent bénéficier des chaînes, mais de quelques chaînes sur leur télé. Donc là on va arrêter, on va voir les autres aspects intéressants. Donc on découvre, on a toutes ces chaînes là, donc France 2, France 3, France 4, France 0 et ça je sais pas c'est quoi. Ah, les chaînes en territoire outre-mer, ok. Après on a quelques chaînes de dessins animés, donc pour ceux qui ont des enfants, ça risque d'être intéressant pour eux. La France Info, France TV Slash et ça. Donc vraiment, c'est une application qu'on peut vraiment, on va dire, l'aspect de cette application-là, c'est qu'on peut regarder le journal directement sur son téléphone. Et si vous avez un Chromecast, vous pouvez regarder directement sur votre télé. Même si vous n'avez pas, vous ne captez pas la TNT ou etc. Du coup, voilà.
Donc après, qu'est-ce que je pourrais ajouter sur l'application là? Bah, après, on a des catégories, si on veut par exemple regarder des séries ou des documentaires, on peut choisir le documentaire qu'on veut, donc je sais pas, je vais chercher un documentaire au hasard, on va prendre infrarouge, donc là j'ai le choix, si j'ai un Chromecast, bah, je peux regarder infrarouge, donc là je vais devoir arrêter le Chromecast, je peux regarder infrarouge bah, directement sur mon téléphone, comme ceci, donc on va attendre, bien sûr il y a une pub. Donc du coup, bah, la pub va bientôt se terminer. Donc les pubs sont assez longues, c'est ça le désavantage de l'application. Donc là, on voit que je peux regarder bah, infrarouge directement sur l'application. Et si par exemple je rentre chez moi et que je veux regarder ça bah, sur une plus grande télé, et si j'aime Chromecast, j'ai juste à cliquer ici, chambre, et bah, je retrouve l'application qui va se charger directement sur ma télé. Donc c'est ça, c'est pour ça que je trouve que cette application-là, c'est vraiment la meilleure application pour regarder bah, du contenu des chaînes. Enfin, regarder bah, des contenus sur les chaînes qui sont disponibles directement sur l'application parce que déjà bah, elle est gratuite et on retrouve bah, les contenus des chaînes françaises principales. Enfin, il n'y a pas TF1, mais voilà. Et en plus, bah, on peut les regarder directement à la télé si on a un Chromecast qui est branché à la télé. Ou si on a une télé compatible Chromecast intégré, on va dire. Du coup, voilà. Après, bah, qu'est-ce que je pourrais ajouter de touche à prendre? On peut retrouver ici bah, ses favoris si on s'inscrit sur l'application. Du coup, voilà, donc c'était bah, pour moi la meilleure application pour regarder bah, à la fois bah, les chaînes d'infos comme le journal bah, sur France 3, mais pas sur TF1 parce que TF1 n'est pas dedans. En plus, sur l'application TF1, bah, elle n'est pas compatible Chromecast, mais pour moi, c'est la meilleure application pour regarder bah, des séries françaises, des chaînes françaises ou des documentaires ou des dessins animés, etc. directement bah, sur France TV parce que cette application, on peut tout simplement bah, la castrer à l'écran. Du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation d'application. A plus! Pour découvrir d'autres applications sur votre téléphone Android, cliquez sur l'éperdu du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Applications Android intéressantes. Donc dans cette playlist vous retrouvez déjà un nombre conséquent d'applications à découvrir, que ce soit des applications pour faire des économies, trouver des bons plans ou des applications bah, pour muscler son cerveau et bien sûr d'autres types d'applications à découvrir. Et je vous remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible avec de nouvelles vidéos. A plus la team!